En Algérie, tout le monde devrait se réclamer de Tamazight. Mais beaucoup de gens sont complexés et comme l'arabisation s'est accompagnée de l'islamisation et comme les gens sont devenus croyants, qui sont devenus musulmans, à partir de là, ils se croient obligés d'être arabes, c'est-à-dire l'islamisation a entraîné l'arabisation et par là même le reniement de la langue. Alors que cette langue est encore très vivante. De toute façon, ça se sentait déjà dans la chanson, mais ça se sentait même dans la capitale, à Alger, et surtout à Alger, parce que il se trouve que la Kabylie, la grande Kabylie, n'est pas loin d'Alger, elle est à 100 km. Et les habitants d'Alger, qu'est-ce que c'est? C'est des Kabyles. Le mot Kabyle même, il demande à être expliqué, parce que Kabyle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'un mot arabe encore, Kabyle, ça veut dire les tribus. Ça veut dire les tribus que les Arabes ont trouvées quand ils sont arrivés. Les tribus que les Arabes ont trouvées là, les tribus donc du pays. Alors ces tribus-là sont présentes à Alger. Qu'est-ce que c'est que les Algérois? C'est des Kabyles qui sont descendus de la montagne. Et cette langue, on l'entend tous les jours dans la rue. Parallèlement, et un peu avant, et parallèlement aux événements qui ont conduit à Tizi Ouzou, les fameuses manifestations de Tizi Ouzou. Bon, là aussi, c'est une chose très... Bon, c'est quoi? C'est Mouloud Mamri, un écrivain algérien, qui a fait une conférence, qui devait faire une conférence, sur la poésie ancienne des Kabyles. Bon, ça n'a rien de... Hein? Apparemment, ça n'a rien de... subversif, c'est la poésie ancienne des Kabyles. Bon, mais comme la chose commençait à devenir explosive, la wilaya, le préfet, quoi, a interdit la conférence. Bon, il a interdit la conférence, alors à ce moment-là, les étudiants sont descendus dans la rue et la population s'est solidarisée avec eux de manière massive et il y a eu une répression très féroce qui a fait que le mouvement a eu un profond retentissement dans toute l'Algérie. Il continue. Continue à l'heure actuelle. Nous avons maintenant, par exemple, une grande partie des créateurs qui sont en exil, beaucoup sont en France, et nous avons un grand poète ici actuellement qui s'appelle Mahia, qui est devenu épicier ici à Paris. Bon, c'est un homme extraordinaire parce qu'il écrit lui-même, c'est un poète, il écrit en tamazight et il traduit. Il a traduit Beckett, il a traduit Pirandello en tamazight. Alors qu'on nous disait que cette langue, c'était un patois destiné à mourir, qu'il n'y avait rien à faire, etc. Bon, des hommes comme ça montrent que la langue est vivante. Et à l'heure actuelle, je crois que notre combat, c'est ça. C'est affirmer dans cette langue une Algérie qui soit débarrassée, qui soit désaliénée, aussi bien du mythe de l'Algérie française que du mythe de l'Algérie arabo-musulmane, qui soit enfin l'Algérie elle-même, l'Algérie tout court. Et c'est déjà beaucoup, parce que l'Algérie tout court nous ramène à une autre dimension, c'est la dimension africaine.